On est à 10 jours du vote. Il y a eu le dernier débat hier. Oui. Comment va la campagne? Écoute, moi, je trouve que ma campagne va vraiment très bien. Je fais beaucoup de porte-à-porte, je rencontre les gens, j'ai une belle réponse. J'ai fait le tour des élus, j'ai rencontré un peu de tous les volets, incluant les agriculteurs. Vraiment, j'ai une très belle réponse sur le terrain. C'est un gros changement quand même de la dernière campagne où tu étais novice, c'était ta première campagne. Oui. Qu'est-ce qui change là, cette fois-ci? Je te dirais l'accueil des gens, l'expérience aussi. J'ai commencé quand même un peu plus tôt ma campagne. J'ai aussi l'occasion d'avoir des bénévoles, ça aide beaucoup. L'expérience permet de cibler les bonnes choses à faire au bon moment. Je crois que j'ai fait un bel apprentissage. Puis votre chef, le premier débat, il n'a pas eu facile, mais comment vous avez trouvé sa présentation hier? Sa présentation hier, je l'ai trouvée vraiment bien. Je crois que les gens commencent à voir le Andrew Scheer que nous connaissons, qui est un homme de cœur, qui est un homme de famille, qui a les valeurs proches des gens. Et qui est de base un homme extrêmement doux, vous pouvez voir, mais il est capable de lever le ton lui aussi. Alors, j'ai bien aimé, j'aime bien sa plateforme aussi. Qu'est-ce qui fait peur aux citoyens, on les entend? C'est le corridor énergétique, c'est l'idée d'un pipeline. Explique-nous un petit peu la vision là, de votre parti. Bien, le corridor énergétique, dans le fond, c'est un peu, je vous dirais, on voudrait aller voir notre vrai plan, qui s'appelle un vrai plan, qui contient 55 mesures. La base, c'est un peu comme a fait malheureusement d'autres pays, la Norvège. Et ce que la Norvège a fait, exploiter ses ressources, payer ses dettes, mis sur pied des avantages sociaux pour ses citoyens, mis un fonds des générations pour s'assurer que même quand il n'y aurait plus les sources d'énergie, les mêmes fonds, les mêmes avantages sociaux se maintiendraient. Et on a profité pour devenir un des pays les plus verts au monde. C'est un peu l'approche du vrai plan. C'est-à-dire que dans nos mesures, oui, il va falloir utiliser nos ressources d'une façon ou d'une autre. Le Québec veut sortir ses surplus d'hydroélectricité et d'un autre côté, nous avons encore besoin du pétrole pendant 30 à 40 ans. Par contre, tel que dit notre chef, il va respecter les juridictions provinciales et toutes les normes environnementales en vigueur. Donc, faites-vous-en pas, ce ne sera pas contre le gré de personne. Par contre, il est important de constater que nous avons le devoir et même la possibilité de jouer un rôle de leader au niveau environnemental dans le monde entier. Nous sommes un pays qui est quand même 1,6% des gaz à effet de serre pour le moment. Tous nos efforts sont louables, j'en conviens, et nous avons besoin d'en faire, ne lâchez pas, mais nous ne pouvons pas prétendre que la pollution des autres ne nous atteindra pas. Et nous pouvons certainement être capables d'influencer à ce que ça se limite ou ça se réduise pour la planète. Le vote commence aujourd'hui, c'est le vote, le BVA qu'on appelle, le Bureau de vote par anticipation. Oui. As-tu un message aux citoyens? Oui, j'ai un message aux citoyens, de prendre le temps de regarder comme il faut qui peut vraiment défendre leurs intérêts au Québec. Parce que faut pas oublier tous les candidats conservateurs au Québec et les candidates, nous sommes plus de 30 candidates en passant, nous sommes aussi des Québécois et des Québécoises. Moi, j'ai ma circonscription à cœur, je vis ici, j'habite ici. Et en plus, le Parti conservateur est le seul qui, selon moi, a une voix à l'ampleur du Canada, qui est capable de défendre et de vraiment être au pouvoir et de gouverner. Ça fait plus de 25 ans que dans la circonscription, nous n'avons pas eu un candidat, ou plutôt j'allais dire un député au sein d'un gouvernement qui gouverne. J'aimerais ça et j'aimerais pouvoir être ce député. Merci beaucoup. Merci.